aux Jeux Olympiques d'Atlanta, bien que il y ait une énorme concurrence. Apparaît maintenant celle qui nous avait aussi beaucoup séduit au dernier championnat de France à Villeurbanne en remportant le titre national, Isabelle Severino. 16 ans, une gymnaste totalement épanouie et qui va aborder le sol féminin sous une forme romantique puisque c'est Cendrillon. Avec de l'acrobatie, tout de suite un double avant. Et une petite faute de réception, dommage, car elle aussi dégage beaucoup, beaucoup de personnalité par rapport aux petites gymnastes qui sont souvent sur ce praticable. Isabelle Severino. Elle a manqué la finale de la poutre et je ne pense pas qu'elle puisse parvenir en finale du sol demain après-midi sur France 3 où nous aurons véritablement là le reflet de la gymnastique mondiale. Elle a peut-être manqué ce rendez-vous de Bercy, Isabelle. La note va apparaître bien évidemment dans quelques minutes. Mais déjà, nous pouvons soupçonner que les juges ne manqueront pas de relever, par exemple, ce rétablissement après le double avant ici. C'était sa première diagonale acrobatique. Vous voyez ce grand pas. Aïe, 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 aïe. Dommage pour la championne de France qui s'apprêtait à Bercy à réaliser une belle évolution à la poutre et surtout un beau moment musical de Cendrillon au sol. Nous resterons bien évidemment dans le domaine artistique, plus particulièrement ce soir, puisque demain nous aurons le plaisir